Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sondara 555. Cette vidéo concerne les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne pour le mois de septembre 2021. Cette vidéo sera divisée en trois parties. La première partie sur le domaine général et la deuxième partie, la première partie sur le domaine général, pardon, et la deuxième partie sur le domaine sentimental. Bien entendu, cette vidéo ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et de votre situation propre. Et bien entendu, si cette vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir celle de mes confrères et de mes consoeurs. Nous commençons tout de suite par le domaine général pour voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne. Alors, voyons voir ce que l'on nous dit pour vous. Bah écoutez, pour certains et certaines d'entre vous, je le vois comme ce pour deux façons. La première, effectivement, peut-être le projet d'un bébé ou par exemple apprendre que l'on est enceinte pour vous, mesdames. Et sinon, si ce n'est pas dans l'air du temps, ça peut être un projet que vous mettez en place. On sent que de toute façon, il y a comme un renouveau pour beaucoup d'entre vous. C'est vraiment ce côté de légèreté, de bien-être. Hein. Vous voyez, on disait de renouveau sur quelque chose que vous ne connaissez pas ou que vous allez en mode apprentissage. Donc, c'est vraiment même un changement peut-être par rapport à votre foyer, c'est-à-dire par rapport à votre maison. Peut-être pour certains d'entre vous, une nouvelle vie ailleurs, peut-être pour d'autres un déménagement, peut-être un lieu différent, peut-être pour certains un cabinet ou une prise de local, hein, ça me parle beaucoup. En tous les cas, voilà, on est sur quelque chose de nouveau, peut-être même l'achat d'une maison, d'un appartement pour une chambre supplémentaire. En tous les cas, ce que je ressens, c'est que c'est un mois de guérison pour vous les Capricornes, c'est-à-dire vous vous sentez prêt à faire quelque chose de chouette pour vous. Possibilité également, alors voyager étranger, on a bien compris que c'est un peu plus compliqué, mais ça peut être un changement de département ou de région pour beaucoup d'entre vous, pour justement mettre ce projet en place. Hein. Et regardez bien, on a bien la carte du déménagement. Donc pour beaucoup d'entre vous, septembre appelle à un déménagement, un changement de vie. Attention toutefois à ce qu'on ne vous pollue pas. Donc peut-être une personne qui vous en empêche, peut-être quelqu'un qui peut vous bloquer par rapport à vos envies. Mais peut-être que grâce à une rencontre ou peut-être quelqu'un de déterminant, il y a des choses qui bougent. Attention aussi de ne pas attraper. Alors j'ai le mot rhume qui me vient pour certains d'entre vous, mais j'ai également tendinite, foulure. Donc faites attention, ça voudrait peut-être dire que vous tirez un peu trop sur la corde, ami Capricorne, et qu'il faudrait prendre aussi du temps pour vous. Alors, on sent que même si ce projet est viable, peut-être ne sera-t-il pas mis en place au mois de septembre, même si vous mettez tout en œuvre pour le faire. Peut-être prendra-t-il un petit peu de retard. En tous les cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et ce sont des décisions que vous prendrez. Et si vous les prenez en suivant votre intuition, pardon, avec la femme, eh bien, vous allez effectivement aller là où vous allez obtenir des cadeaux et des récompenses, et surtout la corne d'abondance, ça veut dire quoi? Ça veut dire la réalisation de quelque chose qui va être dans la réussite professionnelle et surtout d'abondance financière pour vous les Capricornes. Donc un vrai changement qui vous apporte un réel mieux de vie. On continue toujours pour voir si on a les mêmes types de messages ou des messages supplémentaires pour vous les Capricorne, ascendant Capricorne, planète en Capricorne. On va un petit peu voir ce qu'il en est pour vous. Alors, bah écoutez, oui, une idée lumineuse, me dit-on, pour certains d'entre vous qui passera, une envie de changement. Bah, décidément, vous aurez bien compris, vous n'allez pas nécessairement mettre les, voilà, une envie de voyage. Donc, voyez, voyage, déplacement, déménagement, ça revient quand même beaucoup pour vous et pour beaucoup d'entre vous. Une envie aussi de faire les choses tout seul. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple, ça peut aussi annoncer une fin pour certains d'entre vous, parce que ce projet, c'est peut-être quelque chose que vous allez faire tout seul. Voilà, donc et là je parle pour les gens qui sont en couple et en fin de couple, hein, puisque effectivement vous sentirez presque dans une forme de libération par rapport à un lieu qui devient toxique.
Donc, on me dit que pour le moment, bah, vous êtes un petit peu troublé, vous êtes un petit peu perdu, hein. Vous avez envie de le faire, mais pour certains, vous ne savez pas comment le mettre en œuvre. En tous les cas, on vous dit que vous allez trouver la solution et que cette solution va vous amener à un pardon de vous-même. Et c'est là où effectivement, vous allez mettre les choses en place. Et donc, n'ayez pas cette peur de l'échec, n'ayez pas peur des autres, hein, c'est vraiment ça. Vous allez avoir des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Et il y a bien et bien une rupture. Alors ça peut être une rupture pro, ça peut être une rupture perso, mais en tous les cas, même si vous avez peur des conséquences, vous allez avoir une très belle protection. Donc c'est comme si en fait vous freiniez pour beaucoup d'entre vous des deux pieds. Hein, c'est ce qu'on dit, hein, vous freinez à fond, mais de toute façon, ça doit passer. Donc j'ai presque envie de vous dire que ça passe, je dirais, en douceur ou que ça passe en force, ça doit passer. Donc si ça ne se fait pas pour certains au mois de septembre parce que vous ne vous sentez pas prêt et que vous souhaitez attendre, de toute façon, ça se fera d'ici la fin de l'année. On continue toujours pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne. Pour ce mois de septembre 2021. Alors, on a les obstacles, hein, voilà, ça c'est les peurs, les doutes ou des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues par rapport à une situation que je ressens toxique pour beaucoup d'entre vous, hein. C'est pour ça qu'on a la carte du retard, parce qu'effectivement, vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas, vous reculez peut-être, hein, mais en tous les cas, c'est bien par rapport pour certains d'entre vous, par rapport au travail, il y a aussi des échanges, il y a aussi le fait que bah, vous ne vous sentez pas à votre place actuellement, donc vous avez envie de quelque chose de mieux. Donc je pense que vous allez trouver les solutions, hein, puisque pour moi c'est ça, hein, on a bien les solutions avec l'étoile, hein, donc une solution positive. Donc on va vous demander de suivre votre intuition, hein, on va aussi vous demander d'avoir cette sagesse, hein, cette prise de conscience pour pouvoir apporter l'abondance par rapport au changement que vous allez mettre en place. Et on a bien la fin d'un cycle pour beaucoup d'entre vous qui se mettent, hein, donc avec effectivement des personnes qui vont vous empêcher de mettre en place les choses, mais de toute façon, ce n'est que de l'empêchement et que du retard, mais en rien autre chose, puisque vous allez enfin trouver votre équilibre, savoir ce qu'il vous faut pour vous et passer donc à l'action. Et on sent bien qu'il y a bien ce nouveau départ dans un ailleurs, autre département, autre région, voire pourquoi pas autre pays pour certains d'entre vous, en fonction de ce que vous vivez. On termine ce domaine général avec un tirage en trois cartes. Voir quels sont les messages que l'on vous passe pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne. Quels sont les derniers conseils que l'on peut vous donner? Alors, bah écoutez, mes pensées créent ma vie, donc soyez positif pour pouvoir faire ces changements, hein. Mes croyances peuvent me freiner, attention à vos croyances limitantes. Et puis écoutez, l'évolution prend du temps. Donc on voit bien que si ça ne se fait pas au mois de septembre, c'est ce que je vous disais, dans tous les cas, cela se fera pour avant la fin de l'année. Je continue dans le domaine sentimental, toujours pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne. Planète en Capricorne. Eh bien, c'est muy caliente en tous les cas. On sent qu'il y a peut-être une relation secrète pour certains d'entre vous, quelque chose qui vous apporte une forme d'équilibre, hein. C'est comme si vous aviez un amour d'adolescent, me dit-on. Donc, on vous dit de suivre votre intuition par rapport à cette relation qui va peut-être se transformer de manière positive. Attention toutefois à ne pas avoir cette jalousie excessive. Ne vous interdisez pas certaines choses et pardonnez-vous. Les interdits sont dus à des croyances limitantes. Aujourd'hui, ce qu'on vous demande encore une fois, c'est d'être dans l'abondance. Donc, ce que je ressentirais, c'est peut-être, je dirais, une envie de partir de chez vous, une envie de vivre autre chose, mais comme vous ne ressentez pas encore cet équilibre et que vous n'avez pas réussi à sortir d'une sorte de marasme, eh bien peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vivez-vous une relation secrète qui vous donne ce petit plus et qui vous permettra peut-être de vous transporter, de vous transformer. Je ne dis pas que c'est la personne avec laquelle vous allez pouvoir, on va dire, fonder quelque chose,
Mais peut-être que grâce à cette personne, je dirais, elle vous permettra de comprendre que vous n'êtes plus à votre place et vous permettra peut-être de prendre des décisions pour votre mieux-être personnel. On dit comme une sorte de tremplin. On continue toujours pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne, pour ce mois de septembre 2021. Eh bien, pour certains d'entre vous, il y a effectivement une jolie rencontre, hein, mais voilà, il y a un arrêt sur cette rencontre, comme s'il fallait vous en séparer, comme si en fait c'était... Alors, moi je vais le dire comme ça, on revient sur le tirage auparavant, en fait, peut-être une sorte de tremplin pour certains d'entre vous, et ce tremplin vous a permis d'ouvrir des opportunités et de prendre des décisions. De vous enlever peut-être de l'emprise d'une personne toxique et de vous faire confiance dans des promesses que vous vous êtes faites hein, d'une vie meilleure. Et c'est bien un nouveau départ, hein, c'est bien ce que je ressens, mais un nouveau départ seul, donc vous voyez, c'est ce que je ressentais, qui vous permettra effectivement de retrouver une sorte de moi. Donc certains d'entre vous, ça parle vraiment de cas très particuliers a priori. A priori, vous vivez une sorte d'emprise toxique avec une personne qui vous empêche aujourd'hui d'évoluer et vous allez peut-être avoir le coup de cœur ou le coup de foudre pour quelqu'un, mais c'est juste quelqu'un qui va être une sorte de tremplin ou de passager qui va vous permettre de prendre votre courage à deux mains et de passer outre cette relation et pouvoir prendre un nouveau départ. Effectivement, ça ne devrait pas parler, je pense, à tout le monde. Mais peut-être l'interpréter différemment pour certains et certaines d'entre vous. Allez, on continue toujours dans le domaine sentimental pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne, pour ce mois de septembre 2021. Bah, on est quand même dans le printemps, on est dans un nouveau départ, encore une fois, hein, on est dans un nouveau départ pour certains et certaines d'entre vous. Hein, on a vraiment cette envie de partir, hein, de prendre de la pause, enfin prendre une pause pour vous, de réfléchir. Hein, et on me dit bien qu'il y a bien pour certains un nouveau projet. Une nouvelle, on me dit un nouveau projet, ouais, un nouvel événement. Une naissance, alors ça la naissance je l'ai dit pour certains d'entre vous, un nouveau projet également, une vie commune pour certains. C'est bizarre parce que moi c'est projet que je ressens, mais un projet de renouveau, vous voyez, parce qu'on me dit que vous allez avoir pu réfléchir, peut-être après un temps de pause, élever votre conscience et prise de conscience. Et c'est là où vous êtes dans une période de lâcher prise. C'est comme si là vous êtes prêt à vivre cet amour éphémère pour pouvoir prendre ce tremplin, qui est donc un amour éphémère coup de foudre. Hein, qui vous permet effectivement peut-être pour certains d'entre vous reconnaître votre âme sœur aussi, attention, hein, voilà, et qui vous permet de prendre ces décisions, de vous transporter, de vous transformer, d'aller vers un détachement complet, total par rapport à des situations qui sont toxiques pour certains d'entre vous. Vous avez la preuve, ouais, vous savez, c'est bien ça, il y a bien quelqu'un de toxique. Hein. Vous avez bien la protection de votre ange gardien pour partir. Alors, je vais résumer, parce qu'effectivement, ça parle peut-être à tout le monde et à personne. Mais pour certains d'entre vous, ce fameux tremplin, c'est la bonne personne. Voilà. Mais c'est certains d'entre vous, c'est pas tout le monde. C'est vraiment un coup de cœur, un coup de foudre. Mais c'est quelqu'un qui va vous permettre de vous sortir d'une situation qui n'est plus apte pour vous et qui va vous permettre un vrai nouveau départ. Alors peut-être qu'avec cette personne, vous allez pouvoir fonder une famille. Peut-être vous pourrez effectivement vivre une vie commune. Pour certains, c'est vraiment le contraire, c'est-à-dire vous allez partir seul. Mais dans tous les cas, il y a vraiment cette notion de nouveau départ pour beaucoup, beaucoup d'entre vous. Allez, je termine ce domaine sentimental avec un tirage en trois cartes. Toujours pour vous, les Capricorne, ascendant Capricorne, planète en Capricorne. Toujours pareil pour ce mois de septembre 2021. Quels sont les derniers conseils que l'on vous donne pour vous? «
Alors, les amis qu'on connaît très bien, donc je pense que vous allez effectivement, pour certains d'entre vous, avoir ce coup de cœur dans votre cercle amical. Peut-être être un ami qui se transforme en quelque chose de positif. Esprit de sacrifice dans le couple, on vous dit non, la personne n'est pas libre, ou inversement, c'est bien vous qui n'êtes pas libre, contrainte d'impossibilité. Il y a bien quelque chose qui se révèle hein, durant cette période. Et on a une soirée à deux, une rencontre lors d'une soirée, l'envie de se retrouver solo ou à deux. Donc vous voyez, regardez bien, ça résume bien ce que je viens de vous dire juste avant. Donc il y a bien quelque chose qui se met en place pour beaucoup d'entre vous, les Capricornes. Allez, je termine cette vidéo avec trois cartes conseils pour justement ce mois de septembre 2021. Allez, on va voir ce que l'on vous donne comme information. Pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne, quels seraient les derniers conseils que l'on pourrait vous donner pour ce mois de septembre 2021? Alors, on vous dit la vacuité, donc je sens bien qu'il y a quelque chose où effectivement, bah écoutez, hein, voilà, on va partir, hein. Le contrôle, bah vous aimez bien gérer et contrôler tout ce qu'il y a à faire, donc c'est ça. Et on vous dit au-delà de l'illusion, donc c'est bien ça. C'est comme si vous sortiez de votre trou noir pour justement ouvrir les yeux et voir la lumière du jour. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de septembre. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.